Deux victoires en 9 journées de championnat, un nouveau revers la semaine dernière à Boulogne-sur-Mer. Le Stade Clermontois Basket Auvergne poursuit son chemin de croix. La venue des Nantais est donc l'occasion de se relancer. Mais côté stadiste, on se méfie particulièrement de la puissance de feu des joueurs de l'Hermine. On a beaucoup travaillé sur la défense, sur les extérieurs. Parce qu'ils ont des extérieurs très performant, des gros shooters et tout, et ils ont un meneur créateur qui est très fort sur les piques. Des atouts qui ont fait leur preuve. Lors des deux derniers matchs, les Nantais ont inscrit 93 points de moyenne. Mais malheureusement pour l'entraîneur du Stade Clermontois, ce n'est pas le seul motif d'inquiétude. C'est une équipe qui est une équipe caméléon. Hein. Il me semble que c'est une équipe qui n'a pas eu la moindre victoire à domicile. Par contre, ils ont eu 3 victoires à l'extérieur. Donc, hors de leur base, c'est une équipe qui est concentrée et qui joue son jeu. Donc, c'est un avertissement aussi pour nous, parce qu'ils ont été quand même gagnés à Dijon, qui n'est pas un petit adversaire. Maintenant, il va falloir être vigilant, il va falloir donner tout ce qu'il y a à donner pour arriver à passer. Face aux Nantais, les Clermontois ont une obligation de résultat. Un succès sur son parquet demain soir permettrait au stade de céder sa place de lanterne rouge à l'équipe de Quimper.